qui appartient cette main-là, qui est tendue vers on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui. À qui appartient cette main, monsieur Bayrou ? Sacha ? C'est la vôtre. C'est la mienne. C'est exactement, c'est votre main. Tendue vers... Vous n'avez pas dit on n'a aucun style, aucune idée directrice, aucune identité ? Non. Vous démentez donc ? On a eu une discussion, et je vous le répète, qui a été constructive pour l'équipe. On est sorti de cette discussion, tout le monde était assez heureux et je pense que ça s'est vu dans le match contre la Roumanie. Le public était content, il y a eu de l'allant, il y a eu du jeu. Malheureusement, pour nous, on n'a pris qu'un point. Quand Nicolas Sarkozy visite une usine, ses communicants ont déjà tout supervisé. La semaine dernière, chez Faurecia, des salariés posent avec le chef de l'État. Sur la photo, pas une tête ne dépasse, et pour cause. Et c'est ce qu'on fait. On m'a dit que vous avez été choisi sur un critère de taille. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Oui. Pour ne pas être plus grand que le président ? Voilà. Maintenant, on voit à quel point il se heurte, comme tous les autres, au même problème. Mmh. Avec cette petite bavure de ce professeur noir où il a insulté la police, il est revenu, il a rembiné. Moi, je crois que yes, we can, mais we can pas grand-chose. Mais bien sûr, elle vous dit que non. Hein, mais à part des ricanements d'appareil. Mais vous êtes resté au gouvernement quand on a baissé les impôts des plus riches, quand on a privatisé la poste. Alors ça suffit. Si on veut vraiment gouverner à gauche, on change parce que vous moquez, vous vous moquez de gens qui n'ont pas l'étiquette. Jusqu'au dernier moment, on ne distingue pas le visage de l'homme. C'est le dernier plan qui révèle ses traits, ceux d'un Adolf Hitler qui fixe la caméra avant de laisser place à ce slogan « Le sida est un tueur de masse, protégez-vous ». C'est le préfet qui a décidé ce week-end de fermer la classe pour une semaine après la confirmation de 8 cas de grippe. Une première depuis la rentrée dans un établissement scolaire, d'où l'emballement médiatique qui en agace plus d'un. Et puis la grippe A inspire aussi les artistes. La designeuse russe Irina Bloch a décidé de transformer les fameux masques chirurgicaux de protection pour en faire des accessoires de mode. Vous le voyez, regardez plutôt, on peut même choisir en fonction de son humeur du jour.